Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Ce sera un petit book haul d'automne, un peu réconfortant, cosy, très cliché avec la tasse, avec le thé. Aujourd'hui, je vais vous faire un book haul. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait sur la chaîne pour plusieurs raisons. J'ai fait plusieurs no-buy, donc des moments où j'ai pas acheté de livres. Du coup, j'avais pas trop de livres qui arrivaient à la maison. Deuxième raison, c'est que c'est vrai que sur les vlogs, dans les vidéos vlogs, je vous parle quand même beaucoup de mes réceptions, de livres que je reçois. Et du coup, il y a un côté un peu double emploi. Et je vous avoue que ça me gave un petit peu parfois de présenter deux fois les mêmes livres, surtout quand c'est des livres que je n'ai pas lus. Ça ne me dérange pas de présenter des livres que j'ai adorés et les présenter 10 fois. Mais quand c'est des livres que j'ai pas lus, il y a un côté un peu redondant quand même de présenter toujours la même chose. Mais voilà, je me suis dit que tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs, même si c'est vrai que c'est quelque chose qui devient quand même assez important sur la chaîne. Tout le monde ne regarde pas forcément les vlogs, il y a des gens qui aiment bien juste les book hauls. Et puis moi j'avais envie d'en faire un, tout simplement. Je me suis fait plaisir aujourd'hui en vous présentant une grande partie de ma sélection. Il y a des livres que j'ai mis de côté pour vous laisser quand même des surprises pour le prochain vlog, parce que sinon il va être inintéressant à crever. Hein. Et comme c'est un vlog qui est assez important pour moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps pour les petites séquences, plans, musique, etc., je me suis dit que j'allais quand même laisser quelques petites surprises. Bon, je vais vous présenter donc les livres qui sont arrivés au courant du mois de juillet, août, septembre, octobre, donc vraiment un petit peu de tout. Je l'ai appelé le book haul de l'automne parce que on est vraiment sur des lectures qui conviennent à l'automne, mais j'ai envie de vous dire que toutes les lectures conviennent à toutes les saisons, hein, on est bien d'accord, mais comme j'aime bien l'automne, je voulais trouver un titre sympa et je voulais que ce soit un peu cocooning. Voilà. Alors, je vais donc présenter un petit peu comme ça vient. Premier livre, c'est La malédiction de Highmore de Erin A. Craig, qui est un livre que j'ai reçu des éditions Casterman. C'est un livre qui est une réécriture, une réadaptation du conte des 12 princesses, qui est un conte des frères Grimm. Et en fait, c'est un conte, moi, que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et j'ai lu cette adaptation sortie chez Casterman. J'ai beaucoup aimé certains points. J'ai beaucoup moins aimé d'autres points. Je vous en ai parlé dans un vlog précédemment. Alors, c'est un roman donc, qui va présenter l'histoire de 12 sœurs. On va en suivre principalement une qui s'appelle Annalie. D'ailleurs, je me souviens du prénom, ce qui est très rare. Donc, elle m'a bien marqué, la petite Annalie. Elle est donc la sœur de 11 autres sœurs. Hein. Vous voyez comme je suis toujours aussi douée pour faire des résumés. Et il va y avoir une sorte de malédiction. Bravo Isabelle, c'est le titre du livre. Jusque-là, rien de nouveau. Il va y avoir une malédiction, donc c'est-à-dire que petit à petit, les sœurs vont commencer à mourir l'une après l'autre. Donc voilà, on sent qu'il y a une sorte de malédiction dans cette famille. Et Annalie va commencer à enquêter sur la mort de sa sœur qu'elle aimait beaucoup. Et je vous laisse un petit peu découvrir. On a un univers fantasy qui est très très peu développé, je vous l'avoue. Il est plus développé vers la deuxième partie du roman, du coup ça fait que c'est une lecture qui est hyper page-turner, parce que c'est vrai que on ne prend pas trop le temps de développer cet univers, mais on a quand même une ambiance extrêmement gothique, extrêmement noire dans ce manoir, dans cette grande maison. Je ne sais plus si c'est un manoir ou un château, enfin bref, on est dans une maison un peu sombre comme ça, près d'une falaise, près de la mer, enfin il y a le côté un peu marin. C'est... Ouais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé certains développements de l'histoire, mais j'ai été déçue par d'autres choses. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner mon avis, alors que c'est un book haul. Voilà. Alors, on va passer à un livre qui s'appelle Poussière de Rosamund Lehman. Alors je ne sais même pas si je l'ai déjà mis dans un book haul ou pas, ça fait tellement longtemps que j'ai plus filmé de book haul que je ne sais plus ce que j'ai mis dans le dernier. C'est un livre que je cherche depuis plusieurs années en fait, et j'ai du mal à le trouver parce qu'il est en rupture, il est plus édité, donc il faut le trouver en seconde main. Et là j'ai trouvé chez Pêle-mêle complètement par hasard à 2 €. Et je suis extrêmement ravie, surtout que c'est dans les éditions, vous savez, Phoebus, ils font vraiment, je trouve, un très très beau travail d'édition. Visiblement, c'est un roman qui était assez connu à l'époque, il a été quand même un grand succès dans les années, jusque dans les années 60, et c'est un livre qui parle notamment d'adolescence blessée. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment un résumé sur cette quatrième de couverture, et je ne sais plus le résumé du roman, donc je n'ai pas envie d'aller chercher plus loin, parce que si vous ne me connaissez pas, que vous venez de me découvrir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres comme ça que je découvre sans forcément en connaître le résumé. Vous allez me dire, mais Isabelle, pourquoi tu fais un book haul si tu ne fais pas les résumés? Je vous rassure, il y a d'autres livres, il y a plein de livres pour lesquels je vais faire des résumés, mais il y a certains livres, je vous avoue que
J'aime bien y aller à l'aveugle, j'aime bien ne pas trop lire de résumés pour ne pas être spoilée. Parce que je ne sais pas ce qui se passe en 2021, mais quand je lis les résumés, ça spoil la moitié du livre chez beaucoup de maisons d'édition, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait ma langue de vipère, j'ai reçu un livre récemment, il s'agit de L'été et la nuit de Yann Costin Wagner, c'est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. C'est un livre qui nous raconte l'histoire d'une disparition d'enfant. Il va y avoir une enquête avec un couple d'enquêteurs qui va se rendre compte qu'il y a un lien avec une ancienne enquête, avec une ancienne disparition d'enfant. Donc moi j'ai hâte de le découvrir, surtout qu'il est très court et en ce moment j'aime bien les romans plutôt courts. Il a l'air assez page-turner, ce dont j'ai assez besoin en ce moment. Alors, on va passer à un livre que j'ai trouvé aussi en seconde main, Les Lendemains de Mélissa Dacosta. Alors c'est un livre pour lequel j'ai un petit peu peur parce que moi j'ai lu le dernier roman de l'autrice. C'est un livre qui m'avait sorti, cet autre roman, il m'avait sorti d'une panne de lecture, mais j'avais été un petit peu déçue par la manière dont l'autrice avait développé certains personnages. Je trouve que pour certains personnages, il y avait une très grande sensibilité dans la psychologie des personnages et pour d'autres, je trouvais qu'ils étaient un petit peu caricaturaux et du coup j'ai peur de retrouver ça là-dedans. Mais il paraît que c'est un livre qui parle extrêmement bien du deuil, donc je vais lui laisser une seconde chance. Et c'est un petit peu le type d'achat que je peux faire, un achat compulsif quand je vois qu'il est à 2,50 et qu'il était dans ma wishlist. Voilà, je réfléchis pas trop, je me dis allez, je vais peut-être essayer. Ensuite, j'ai trouvé, ça c'était en neuf, je pense que c'est pas très important pour vous, c'est Les Dévorantes de Marinka Villanova, c'est chez Errol Poche. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler, qui va nous partager l'histoire de trois femmes sur trois époques différentes. Mon petit doigt me dit que c'est mère, fille et petite fille, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ces trois femmes vivent une maternité très difficile et on va voir un petit peu les liens entre ces maternités, la répétition de schéma, voilà, je... Franchement ça m'intéresse beaucoup, j'espère que c'est bien exploité, ça part de maternité d'une manière, j'espère, assez sensible, je l'espère en tout cas. J'ai vraiment mélangé tous les livres, je retrouve un livre que j'ai acheté il y a un mois. J'ai trouvé Prodige de Nancy Houston, c'est un livre que l'une d'entre vous m'avait présenté. Moi j'aime beaucoup Nancy Houston, même si je dis tout le temps que j'adore cette autrice, mais je n'ai lu qu'un seul de ses livres. Certes, c'est un de mes livres préférés, il s'agit de Ligne de faille, mais j'en ai lu qu'un, quoi, donc je peux pas trop dire que c'est une de mes autrices préférées. Donc ici, dans Prodige, on va parler d'une jeune fille qui est pianiste prodige et je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Pour ceux qui ne savent pas, je suis musicienne, donc tous les livres qui touchent de près ou de loin à la musique m'intéresse. Alors bon, j'ai toujours un petit peu peur de la manière dont ça va être exploité, mais Nancy Houston c'est quand même quelqu'un de très fin qui traite des sujets dont elle parle avec beaucoup de finesse, donc je pense que ça peut être très très bien fait. C'est un petit livre qui peut rentrer dans un petit challenge, lire beaucoup de livres en une semaine, un challenge que je ferai bien là bientôt. Ce même jour, j'avais trouvé Les Mouches d'automne de Irène Némirovski. Dernièrement, j'avais fait ce fameux challenge de lire... Dites les pompiers, là. Oui. J'avais fait ce fameux challenge de lire 14 livres en 14 jours, qui est un challenge qui m'a fait énormément de bien parce que j'ai découvert vraiment des pépites. J'ai envie de refaire ça. J'avais découvert un livre de Némirovski, qui était Le Bal, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, j'ai envie d'en découvrir un autre qui est Les Mouches. On va suivre l'histoire de Tatiana qui a consacré sa vie, je pense qu'elle est gouvernante en fait, dans une grande maison. Et à cause de la révolution russe, elle va être chassée du domaine et elle va même suivre la famille pour laquelle elle travaillait. Et on va suivre son histoire, elle va aller jusqu'à Paris, enfin voilà, franchement je suis très tentée par cette lecture parce que je trouve quand même que le résumé n'en dit pas trop et j'aime quand même ça, vous l'aurez compris. Je me suis procuré Les Boucanières de Edith Wharton. Alors c'est un livre dont j'ai entendu parler sur le compte Instagram de Charlotte Papote, qui est Charlotte Parlotte, qui est une fille que je suis assez aveuglément parce que elle parle extrêmement bien des livres. Elle parle souvent de livres très peu connus, de livres un petit peu de littérature gothique, enfin il y a un petit peu de tout dans ce qu'elle présente et c'est souvent de la littérature anglaise, irlandaise et c'est vraiment, j'aime beaucoup son compte et Les Boucanières, je crois que c'était une lecture commune à un certain moment et c'est Edith Wharton, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'essaye
de découvrir cette autrice depuis un moment, depuis que j'ai découvert des parties de sa biographie qui m'intéressent beaucoup. Et donc voilà, j'ai très très envie de découvrir ce livre, c'est le résumé surtout qui m'avait intriguée. Alors on va suivre 5 jeunes filles américaines qui vont débarquer à Londres et visiblement leurs manières vont pas être tout à fait acceptées par la société, je sais pas trop à ce sujet, mais franchement ça a l'air hyper punchy, ça a l'air assez piquant comme lecture. Ouais, une histoire de bonne manière, là, ça a l'air très chouette. Alors, j'ai pris 2 livres de la collection, vous savez, l'Iconopop chez l'Iconoclaste, vous le verrez dans le prochain vlog, je vous spoil un petit peu le prochain vlog. J'ai craqué sur ces 2 livres. Il y a le livre de Lisette Lombé qui m'a été fortement conseillé par mon amie Céline, par Floris, par, enfin voilà, plusieurs personnes de confiance m'ont conseillé ce livre, et en plus Lisette Lombé c'est quelqu'un que je suis sur Instagram, et donc brûlé, ben voilà, je vais vraiment découvrir, je peux pas vous dire un résumé. Les Iconopop sont des récits plutôt poétiques, donc c'est oui, ce sont des poèmes, hein, Isabelle, qui sont illustrés en fait. La particularité de cette petite maison d'édition, c'est qu'elle propose, de cette collection de l'Iconoclaste, c'est qu'elle propose des poèmes modernes, souvent engagés, j'ai l'impression, avec de la photo ou des dessins à côté. Enfin, franchement, il y a un petit peu. Il y a toujours un aspect graphique. Et moi, j'avais découvert La Maison Tanière, qui a été un énorme coup de cœur, qui fera partie, je pense, de mes meilleures lectures de 2021. Sommes-nous en 2021? Oui, toujours. Et j'ai acheté Des frelons dans le cœur de Suzanne Rolle-Ballet. J'avais feuilleté le livre en magasin. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu. C'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, pour cette collection. En magasin de seconde main, j'avais trouvé un tome, je crois le tome 1 et le tome 3 ou 2, je ne sais plus, de la saga L'ombre du chardon. Alors moi j'ai découvert Aki Shimazaki avec Le poids des secrets, qui est vraiment une saga, donc une pentalogie que j'ai adorée. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et j'ai commencé aussi son autre saga, Au cœur du Yamato, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qu'on lit avec mon compagnon, et je pense qu'il est même plus loin dans la saga Au cœur du Yamato, ce qui est assez rare pour le dire. Et j'avais très envie de découvrir également L'ombre du chardon. Du coup, à chaque fois que je vais en magasin de seconde main, je regarde s'ils n'ont pas un tome. Et là, pour le moment, on en a 3, donc il en manque 2. Et je suis contente parce que franchement, à chaque fois, ben voilà, 2 euros. Et il y a un marque-page dedans. Il y a quelqu'un qui a laissé un marque-page. On est un peu crado par contre, mais oh trop bien, j'ai un marque-page. J'ai reçu un cadeau très attendu, c'est un livre qui était sur ma happy list. Je ne sais pas si vous connaissez ce système de cadeaux, si vous ne connaissez pas, c'est en fait aux environs de Noël ou peu importe l'événement, vous pouvez faire en fait une liste de choses, une wish list de choses que vous désirez. Je mets des livres que j'ai très envie de recevoir, alors je mets un lien Fnac ou Amazon, mais les gens en fait l'achètent pas forcément sur Fnac ou Amazon, ils voient le livre, ils voient le prix et ils savent qu'ils peuvent aller me l'acheter en librairie par exemple et le réserver. Et donc moi je vois pas les livres qui sont réservés, mais les autres personnes qui veulent m'offrir un cadeau par exemple pour Noël voient ce qui a déjà été réservé. Alors c'est peut-être hyper connu, moi j'ai découvert ça l'année dernière et franchement je trouve ça cool parce que j'ai mis beaucoup de choses que j'avais très très envie d'avoir dans ma wishlist, que ce soit des bons d'achat Etsy ou des toutes petites choses, hein, un petit livre ou voilà, des toutes petites choses, ça peut être de la colle ou que sais-je. J'ai mis quelques petits trucs et j'ai eu des cadeaux vraiment surprises. Et ici, j'avais oublié que j'avais mis Elantris de Brandon Sanderson. Alors Brandon Sanderson, je vais y arriver. J'avais commencé un de ses autres livres, j'avais pas forcément été... Alors j'avais été emballée par l'univers, mais j'étais pas dans le mood pour lire un livre de ce type. Et donc je l'ai laissé de côté, je crois que je le reprendrai une autre fois. Mais j'ai très envie de découvrir l'histoire de Elantris. Je crois qu'on n'a qu'un seul tome, c'est ça qui m'intriguait. J'espère que ça se clôture à la fin de ce tome. Il s'agit visiblement de fantasy ambitieuse, mais je sais que celui-là il a beaucoup de succès, Elantris. Donc écoutez... Ouais, il me tente pas mal. Ensuite, toujours en seconde main, tout est mélangé. Hein. Devant moi, j'ai pris La mort, l'amour et les vagues de Inoue Yasushi. C'est le genre de livre que je trouve en magasin. Je découvre le titre que je ne connais absolument pas. Je suis intriguée. Ici, je pense que ça va être la couverture qui m'a bien tentée. Je connais pas, je lis le résumé et je vois que ça m'inspire. Ici, je crois qu'on a 3 histoires, 3 petites nouvelles de Inoue Yasushi. Oh là là.
Yasushi, excusez-moi, c'est traduit du japonais par Aude Fichy, et en fait donc c'est trois nouvelles autour de l'amour, autour de couples qui se mettent ensemble, qui se séparent, et les titres c'est La mort, l'amour et les vagues, qui est une des nouvelles, l'autre c'est Le jardin de pierre, et le troisième c'est Anniversaire de mariage. Hier, comme ça vous saurez tout, je suis allée chercher un livre que j'avais réservé en librairie. Il s'agit d'un livre que j'ai très envie de lire dans le cadre du Victober. Le Victober, pour ceux qui ne savent pas, c'est un challenge qui propose de lire des livres de l'époque victorienne. Alors c'est un challenge que je veux faire chaque année, mais que je ne fais jamais, parce que toujours au mois d'octobre, je suis prise par d'autres lectures. J'ai acheté un livre pour l'occasion, même s'il ne m'en manquait pas dans la bibliothèque, et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le lire ce mois-ci, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette ambiance, cet engouement qu'il y a pour le roman de l'époque victorienne, et donc ici, c'est Le secret de Lady Audley, de Mary Elizabeth Braddon, qui est un livre qui m'intrigue énormément. Je sais que Flo a adoré, de Flo in Books. Alors, on va parler du personnage de George Talboys, qui a passé 3 années en Australie et qui rentre chez lui en Angleterre, je ne sais pas ce que j'ai fumé aujourd'hui. Et en fait, il va donc retrouver sa femme, mais il apprend en fait que sa femme est décédée. Et visiblement, il y a d'autres événements étranges qui se produisent. Écoutez, ça m'intrigue beaucoup, j'ai pas été plus loin de nouveau dans le résumé. Par contre, chose importante, c'est quand même que la police est extrêmement petite, hein, pour ne pas changer. Ici, on est chez Archipoche, ben, l'écriture, le caractère est aussi Archipoche. Bon, j'espère que ça ira au niveau de la lecture. Je vais le mettre sur le côté parce que ça, c'est vraiment un livre, je vais le mettre dans ma pile à lire ici, que j'ai envie de lire. Et alors, j'ai fait un achat, comment dire, pour lequel j'hésite quand même un petit peu, parce que je vous raconte un petit peu ma vie. Je suis intriguée par le cozy mystery, donc c'est vraiment un genre qui marche, mais du tonnerre actuellement, que ce soit en librairie, que ce soit sur les chaînes YouTube. Je pense que vous en voyez partout, vous en mangez à toutes les sauces du cozy mystery. Moi, c'est un genre qui m'intéresse. Vous savez que moi, du mystère, j'aime bien quand c'est trash, quand c'est glauque, quand c'est sanglant, quand c'est morbide. Mais c'est vrai que parfois, un petit Agatha Christie, j'aime bien ça. Et on peut appeler Agatha Christie, voilà, les livres d'Agatha Christie comme du cozy mystery, parce que c'est jamais trop trash. Et moi, je vous avoue que je suis intriguée. À certains moments de l'année, j'ai envie de lire un livre un petit peu plus doux, un petit peu douillet, un petit peu... Je pense que ça doit être un mélange entre de la chick lit et du policier. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, le cozy mystery. Alors, il n'y a pas forcément de romance, visiblement, mais il y a ce côté petite ambiance réconfortante, petit crime douillet où il n'y a pas trop de sang. Ouais, il y a ce côté petit village, peut-être aussi... peut-être aussi anglais, très anglais, du cozy mystery. Il y a quelque chose qui m'appelle beaucoup dans le cozy mystery en ce moment. Mais je vous avoue que la malédiction, c'est que à force d'en voir et d'en voir partout, j'ai un petit peu peur de me lancer là-dedans et d'être complètement déçue. Et surtout le fait que tout le monde soit en train de lire ça, moi, ça me refroidit un petit peu. Voilà, j'ai laissé de côté mes petits a priori, hein, parce que j'ai quand même un petit peu peur. J'ai écouté ma copine Flo, de Flo in Books, qui dit que un des meilleurs livres de cozy mystery, c'est celui-ci, Meurtre et pépites de chocolat. Je rigole parce que le titre, franchement, de Jeanne Fluke, Les enquêtes d'Anna Swenson. J'ai fait confiance à Flo, j'ai lu le résumé qui, je vous avoue, m'intéresse beaucoup. On va suivre Anna qui retourne dans sa ville natale. Visiblement, elle a une mère envahissante, elle a un chat au gros caractère, elle fait une boutique, je pense, de cookies. Mais il y a un meurtre qui va arriver. Écoutez, ça m'intéresse beaucoup. C'est juste que j'ai une petite appréhension, c'est qu'on en parle tout le temps de ce livre, je le vois partout. En plus, les tomes sortent assez vite, ce qui pour moi n'est pas très bon signe. Alors peut-être qu'ils ont été écrits il y a longtemps et qu'ils sortent tout d'un coup, hein. Je ne me suis pas renseignée plus que ça. Mais moi, ça m'inquiète un peu quand les tomes sortent vite les uns après les autres. Je me dis que l'auteur ou l'autrice n'a pas pris beaucoup de temps pour écrire son roman. Mais en même temps, peut-être que simplement c'est une question de droit, je ne me suis pas intéressée au sujet, hein, plus que ça. Peut-être que c'est une question de droit et en fait que tout est sorti il y a des années et que maintenant ça ressort, enfin j'en sais rien. Peut-être que quelqu'un connaît l'histoire du livre. Voilà, je vous partageais quand même mes petites appréhensions parce qu'il y a ce côté, tout le monde est en train de le lire, tout le monde l'adore. Peut-être que moi je ne vais pas du tout aimer et j'aime bien, je vous ai dit déjà 20 fois, mais j'aime bien être dans mon petit cocon à lire mon livre que personne n'est en train de lire.
Mais j'ai quand même envie, j'ai été quand même attirée grâce à Flo, j'ai fait mon petit mouton. Écoutez, je suis contente d'être un mouton pour le coup. Je vais tenter et si après 100 pas je n'aime pas, ben je le céderai à quelqu'un. Petite chose quand même, tout le monde trouve cette couverture sensationnelle. Écoutez, moi je la trouve, je suis désolée, le cherche midi, vous allez me haïr, vous n'allez pas regarder cette vidéo. Mais ah, moi je trouve ça horrible. Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de cette couverture. Enfin, c'est des lignes grises et rouges. Je trouve ça très très laid. Et les autres, je les trouve encore pires. Celle-ci, au moins, rentre dans mon feed Instagram. Les autres, un petit peu moins. La fille complètement tarée. Bon, allez, je vais avancer parce que là, il me manque encore des livres. J'ai reçu de la part des éditions Calman Levy le Johanna Gustafsson, Tenir la main pendant que tout brûle. On va parler de disparition d'enfants. On est sur plusieurs époques. Écoutez, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais que c'est une histoire de disparition d'enfants. On va sur une ancienne institutrice de village. Hein. Franchement, j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a une disparition. Je sais qu'on a des crimes affreux, c'est un peu dégueulasse. Que c'est Paige Turner. Moi, j'ai pas besoin de plus. Il me tentait beaucoup, il a été gentiment dédicacé. Voilà, je suis hyper touchée par voilà, ce geste de dédicace, vraiment très très chouette. Et j'ai fait un accent bizarre, je ne sais pas pourquoi. Il me tente énormément. Ça fait partie de mes prochaines lectures. Si je ne lis pas en octobre, je le lirai pour le Black November. Est-ce que vous aussi, ça fait un an que vous attendez le Black November? Je n'en peux plus. Nous sommes que le 15 octobre. J'ai l'impression que ces journées sont interminables avant le Black November. Alors, oui, j'avais acheté sous recommandation, je crois que c'est Margorito qui en avait parlé. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Je trouve cette fille mais tout simplement passionnante. J'adore l'esthétique de ses vidéos, une des couleurs un peu chaleureuses. Et elle a parlé de l'auteur Jean-Baptiste Delamo. Elle avait expliqué qu'elle avait découvert cet auteur avec, je pense, le machin libertine, une éducation libertine. Je pense qu'elle l'avait lu dans le cadre d'un prix. Et elle expliquait que quand elle avait découvert cette lecture, ça avait été un vrai coup de cœur quand elle était ado. Et écoutez, ça m'a tenté beaucoup. Et c'était pas très français, mais c'est pas grave. Et moi, j'ai acheté du coup Règne animal qui me tente énormément. Il semblerait que ce soit un petit peu le Zola des temps modernes. J'espère, je sais pas trop de quoi on va parler. Je sais juste qu'on est dans une ferme familiale, qu'on a des cochons sur la couverture. J'espère qu'ils vont pas trop souffrir parce que vous savez, tout le monde peut souffrir dans les livres, absolument tout le monde, mais les animaux, laissez-les tranquilles. Donc j'espère que ça va aller avec ce petit cochon. Mais je suis Jean-Baptiste Delamo sous recommandation de ma copine Annabelle. Je te fais gros bisous si tu passes par là. Du coup, elle m'a conseillé de le suivre sur Instagram et visiblement, il est très engagé. Et du coup, j'aime bien. Je suis pas très suivre des auteurs, je vous avoue, parce que j'aime pas trop savoir sur la vie des auteurs. Je trouve j'aime bien avoir une certaine distance avec les auteurs. C'est pour ça que je vais pas forcément les voir en salon. Mais quand des auteurs sont engagés ou quand ils partagent leur lecture, leur passion, parfois ça peut m'intéresser. Et du coup, là, Jean-Baptiste Delamo, je le trouve assez intéressant. Et j'aime aussi suivre Jérémy Fell, mais ça, vous le savez. À propos, transition du feu de Dieu, je suis en train de lire le dernier roman de Jérémy Fell dans ma super pochette de Steph de Piketty. Je suis en train de lire le dernier roman de Jérémy Fell qui est Nous sommes les chasseurs, qui est un livre donc, que j'ai reçu de la part d'édition Rivage, que je remercie beaucoup. C'est une très très bonne lecture pour le moment. En même temps, enfin, c'est pas très surprenant. J'ai adoré ces deux premiers romans, Les loups à leur porte. Elena est un énorme coup de cœur. Enfin, voilà, pour moi, ça fait partie de mes auteurs préférés et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de suivre parce que je trouve ses conseils toujours très très fins et je trouve ce type, enfin, désolé, ce monsieur, tout à fait passionnant et franchement, voilà, j'ai eu quelques réticences avec le deuxième chapitre puisque dans ce roman, je peux pas vraiment vous le résumer parce que chaque chapitre propose une, oh là là, j'arrive plus à parler, propose une histoire un petit peu différente. Et c'est vrai que dans le deuxième chapitre, j'avais un petit peu peur parce que ça allait assez vite. Et l'auteur, il nous fait une fin de chapitre, mais savoureuse. Il a eu une idée géniale. Ah, j'ai adoré. Là, je suis au quoi, cinquième chapitre. L'histoire que je suis là est vraiment passionnante. Je dévore. Non, je savoure plutôt. C'est ça que je voulais dire. Je savoure, même si ça fait un moment que je suis sur cette lecture, je passe un excellent moment. On va passer à un autre auteur que je trouve très intéressant. Vous allez me dire, oh, t'as dit que t'aimais pas suivre les auteurs pour savoir connaître leur vie et tout. Mais là, il y a trois auteurs que j'aime bien suivre, là, actuellement. Le troisième, c'est Baptiste Beaulieu. C'est quelqu'un de
passionnant. Je ne suis pas toujours tout d'accord avec tout ce qu'il partage hein, sur les réseaux, mais je le trouve extrêmement drôle, extrêmement humain. Il a l'air super gentil. Il partage des trucs hyper intéressants. C'est un médecin dans la vie tous les jours. Il partage souvent des anecdotes. Et moi, je voyais des anecdotes parfois très touchantes. Et du coup, j'ai très envie de découvrir celui-là qui est. J'ai caché le titre. La joie et le reste de donc Jean-Baptiste Beaulieu, toujours dans la collection Iconopop, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ma lecture en cours aussi. Et je crois que Jérémy Fell et Baptiste Beaulieu sont potes dans la vraie vie, donc je trouve ça assez drôle. Voilà, on rigole de ce qu'on peut. Hein. je vais doucement aller vers la fin de cette vidéo parce que je donne cours dans un quart d'heure et c'est le bordel dans l'appartement. Un livre qu'il fallait absolument que je vous présente aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire et que j'attendais depuis que je savais qu'il allait sortir, même avant. Il s'agit du nouveau livre de Jean-Philippe, des recettes de Jean-Philippe, pour les véganes qui passent par ici, même les non-véganes. Jean-Philippe, c'est vraiment le gars qui fait des recettes, mais toutes excellentes, je trouve qu'il est très très doué pour faire des bonnes recettes. Alors, j'ai testé vraiment presque toutes les recettes de ces deux livres. Et du coup, je suis ravie d'avoir la nouveauté. C'est réconfortant à souhait. C'est vraiment le livre d'automne par excellence. Le tofu champignon poireau à l'érable. Ça, je vais faire dimanche. Voilà, on a des... c'était quoi les... Comment on appelle? Les cupcakes. On a les cupcakes vegan. On a feuilleté hier soir les recettes avec mon compagnon et on a salivé, je peux vous le dire. Et on était déjà en train de manger une recette. C'était le tofu général Tao qui est une recette que je fais très très souvent. Voilà, ça c'est vraiment... Si je ne devais retenir qu'un livre de ces derniers mois, c'est celui-là. Et pourtant, je n'ai même pas encore essayé les recettes. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu hein, dans ce book haul. J'ai reçu de la part des éditions Slatkin et compagnie le dernier Luca di Fulvio qui est Mama Roma. Il m'intéresse beaucoup, visiblement ça se passe à votre avis. Dans quelle ville ça peut se passer? Isabelle, franchement, réfléchis. Ça se passe à Rome, visiblement c'est la ville natale de Luca di Fulvio. Écoutez, je vais pas chercher le résumé. Moi, les Luca di Fulvio, c'est un petit peu aveuglément que je m'y plonge. Et voilà, gros coup de cœur, moi, pour le Gang des Rêves. Il y a des années, j'ai découvert, je crois, début 2018 quand même. Gros coup de cœur. Et donc, je suis très, très heureuse d'avoir reçu ce roman. J'ai acheté un livre en seconde main qui est Faire l'amour. Je sais pas pourquoi je pensais de voir un petit peu sensuel, je ne sais pas. Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint. Je peux pas m'empêcher de prendre cette voix-là. Donc, c'est un livre qui a été, je pense, parce que je suis pas sûre que c'est ce titre-là exactement, mais il me semble que c'est un livre qui a été conseillé par une de mes amies, Virginie, qui m'avait dit un jour que c'était vraiment magnifique ce qu'il écrivait. Elle avait lu quelques extraits de ce qu'il avait écrit, c'était sur le corps de la femme notamment. Et c'était d'une beauté inouïe. Et du coup, depuis, ça fait presque 2 ans, je pense, depuis, j'ai ce livre dans ma wishlist. Je sais plus si c'est Faire l'amour ou un autre. Mais en tout cas, j'ai très envie de découvrir la plume de cet auteur. Parce que ce que j'en ai lu, c'était vraiment magnifique. J'espère que ça me plaira. Voilà, ça a l'air très très beau. De nouveau, une petite lecture que je pourrais faire lors d'un challenge. Je crois que je vais refaire ça vraiment prochainement parce que j'arrête pas d'en parler. Donc vraiment, c'est ce que j'ai envie. Je vais terminer avec les 3 derniers romans pour mon anniversaire. J'ai reçu Le Trône des 7 îles. Merci Laetitia, si tu passes par là, je te fais gros bisous. Dans le cadre des lectures un petit peu page-turner, des lectures qui se passent dans la mer, avec des sirènes, etc. C'est vraiment un livre qui me tente énormément. Donc voilà, pour Le Trône des 7 îles. C'est donc de Adeline Grace chez De Saxus. Et j'ai reçu aussi le Pavillon des combattants de Emmanuel Ogu. C'était également sur la happy list. Et donc j'aime beaucoup aussi le concept de happy list parce que ça permet aux personnes qui veulent offrir de lire les résumés, de prendre le temps et d'offrir quelque chose qui leur corresponde aussi peut-être. Et ma maman avait été très tentée par celui-là, qu'elle avait envie de le lire même. Et donc ici on est dans un huis clos dans les années 1918. Et ça se passe à Dublin et on va parler d'une épidémie et j'en sais pas plus mais il paraît que c'est vraiment très très bien.
Je me suis procuré au bal des absents en seconde main de Catherine Dufour qui nous parle de l'histoire de cette dame, Claude, qui a 40 ans, qui est menacée d'être expulsée de son appartement et un jour on va lui proposer de lui offrir de l'argent pour enquêter sur quelque chose, sur une disparition, et on va lui demander d'habiter pendant un moment dans un appartement dans lequel des personnes ont disparu, et donc elle va devoir, c'est même pas un appartement, c'est dans une villa isolée de la campagne, le côté un peu stressant. Et donc elle va devoir vivre dans cette maison et enquêter sur la disparition de ces gens. Je vous avoue qu'ils me tentent beaucoup, j'en ai jamais entendu parler, mais pourquoi pas, franchement. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de La Saignée de Sir Cédric. J'ai craqué pour le dernier roman de Sir Cédric et comment vous dire qu'il m'attend beaucoup. Et voilà, j'ai pas lu Vindicta, mais j'avais lu l'autre, je sais plus comment il s'appelle, j'avais vraiment bien aimé et du coup ça me donne envie de découvrir. Mais c'est vrai que comme disait, Séverine, c'est vrai que l'auteur on le voit pas très bien, hein. On peut pas se tromper je pense. Voilà, voilà, c'est tout pour ce bocal. Il était un peu moins long que les autres que j'ai pu faire sur la chaîne. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, reçu dernièrement. Je vais terminer mon thé qui est glacé maintenant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !